tous, c'est Daika, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va donc parler du bilan 2014 concernant donc mon année sur Dofus et on va également parler des objectifs 2015 vu qu'on n'est pas tardé donc à changer d'année. Donc alors pour commencer on va donc parler des objectifs 2014. Donc quels ont été déjà les objectifs 2014? C'est vrai que je vous les avais pas montrés en vidéo quoi, parce que c'était un petit peu difficile pour moi le début d'année, donc du coup j'avais été obligé de faire un petit peu moins de vidéos tout ça, et j'arrive que j'avais fait beaucoup de coupures etc, donc je pense que maintenant j'en ferai plus, je ferai des trucs simples et de ça. Donc voilà voilà, c'est pour ça je vais vous montrer donc ici sur un rapide bloc-notes en fait donc les objectifs 2014 comme vous pouvez le voir. Donc déjà c'était donc déjà donc fin 2013 en fait j'avais basé donc mon optimisation du CRA. Donc j'avais encore un stuff full terre, donc du coup je voulais mettre en strigide. Et donc pour cela j'ai déjà acquis donc le Dofus Emerald donc le 19 janvier. Donc ça c'était tout au début de l'année. Je l'avais pas fait en vidéo. Le Dofus Eglas pardon un jour plus tard et le Dolmanax 2 jours plus tard. Donc tous ces petites reliques, nous les retrouvons ici. Non pas pourpre, glace, dolmanax et l'émeraude, mais l'émeraude je l'ai pas sur le compte ici en fait, il est sur le compte de mon zobal ici, vu qu'il est délié entre temps. Voilà donc les 3 œufs sont donc en ma possession, et j'ai donc acquis le pourpre le 10-7, donc au cours de cet été, quand la quête est sortie, donc voilà le pourpre qui est également maintenant délié. Donc là c'est vrai que ça me fait quand même pas mal de dofus acquis sur le CRA en l'espace de 1 an, donc vous voyez ça en fait 4, hein. Donc pour Dolmanax, Deglas, Emerald, donc c'est vraiment pas mal et ça a permis donc une très belle optimisation du CRA. Et en plus pour le CRA, donc il y a eu l'Assas Rigide, donc le 6 février pardon, donc le 6 février le CRA était en Strigide, donc ça c'était la Strigide, donc la fameuse Palos Rigide que je porte toujours actuellement, voilà, avec donc les deux items Glourson, son casque Missis Freeze et son épée Glourson ainsi que le voile d'encre. Donc ça c'était vraiment la base, donc ça c'était vraiment en février, donc j'avais eu ça. Et en mars, donc un mois plus tard, une fois que tout ça s'était fait, j'ai donc utilisé 30 pare-chaud de sorts, donc pour la flèche d'expiation level 6 et la flèche explo. Donc ça c'était deux sorts qui sont très importants vu que l'expia, ben, comme vous pouvez je pense le savoir, c'est un sort avec des relances, donc ça c'est super important de le monter. Et la flèche explo, bah pour faire du PVM et pour taper en zone, c'est parfait vu que ça donne la plus grosse zone du jeu au niveau des dommages. Donc ça c'est vraiment super. Donc voilà pour le CRA, donc quand il y avait ça, c'était déjà pas mal. Ensuite 11 pare-chaud de sort donc le 23 août. Donc ça c'était pour la maîtrise des armes level 6. Et 15 pare-chaud de sort le 9 novembre pour la flèche ralentissante, parce que ça aussi c'est une attaque en zone. Donc, et en plus elle retire des PA, donc ça peut être pas mal des fois. Enfin, je l'utilise pas vraiment pour le retrait PA, mais surtout pour les dommages en zone, qui sont quand même relativement intéressants. Sur le CRA, eh bien, j'ai eu également en mars, donc le 18 mars, comme vous pouvez le voir ici, les 8000 succès. Donc ça, c'était le fameux ornement... non, ça c'est les sorts. Le fameux ornement qui est donc score imposant. Donc celui-là que j'avais obtenu donc en mars. Donc le 18 mars, j'avais obtenu ce succès-là. Donc ça, c'était vraiment super. Hein. C'était déjà une super belle amélioration. Et donc en gros voilà l'année du CRA, donc tout ça a été fait, donc là j'en suis vraiment super content, maintenant ça m'en fait un personnage vraiment très optimisé je trouve. Donc voilà, c'est vrai que ça fait super plaisir. Et également sur le CRA, mais bon ça c'était pas un objectif, j'ai juste rajouté parce qu'en fait ça faisait pas partie des objectifs. C'était donc le Dotruche, donc le fameux Dofus de la zone, la Détruche qui était sorti, bah, je pense que c'est le même, ouais voilà, en mai. Donc en mai, il y avait eu ça qui était sorti, donc je l'ai fait. Bon, je l'ai juste marqué parce que bon, c'était quand même ça fait partie d'un Dofus, même si c'est un faux Dofus. Mais il était toujours là, donc je l'ai marqué. Donc voilà à peu près pour le CRA. Alors maintenant, je vais passer donc au second personnage donc, que j'avais vraiment envie d'optimiser pour cette année, donc l'année 2014 qui va s'achever. Donc c'était l'Inirepsa, donc maintenant j'arrive avec un Inirepsa quand même plutôt bien optimisé, même s'il y a encore des choses qui sont encore pas trop tip top, mais j'arrive globalement à en faire un très très bon personnage. Donc côté Inirepsa, donc j'ai commencé par avoir l'anneau pas de greffe PA, donc le 29 mai, donc c'était cet anneau là, voilà. Donc très très bien, un anneau qui est très très utile et qui permet donc l'optimisation en n'étant pas de greffe.
J'ai eu également la séculaire, donc le même jour. Enfin, j'avais tout regroupé pour en faire donc la même panneau, donc le 29 mai. Donc la séculaire qui est d'ailleurs très bien FM. Là avec un bel Overvita. Donc voilà, donc une séculaire, donc basique pour un nini, mais bon, qui est très très utile. Ensuite j'avais fait les 6000 succès donc le 16 juin. Donc 6000 succès c'était très bien, un bel ornement également. Bon, je vous le montre pas, vous le connaissez sûrement. Ensuite le 16 novembre j'avais fait les 7000. Bon là il n'y a pas de titre ni d'ornement. Mais bon, c'est quand même un passage important. Je voulais le viser pour la fin d'année et vous voyez, j'en suis à 7300. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Et ensuite sur l'INRIPSA, j'ai eu donc l'émeraude aussi le 22 août. Et le pourpre le 29 novembre. Donc là ça me fait encore. Mais ça c'était pas par. En fait ça c'était pas dans les. En fait tout ce qui est ici si vous voulez. Ça c'était les objectifs principaux que j'avais définis. Et ça c'est ce que j'ai rajouté en fait parce que bah, je l'ai fait en plus en fait. Donc voilà. À savoir l'émeraude et le pourpre. Qui sont toujours d'actualité. Pourpre. Et émeraude, donc l'émeraude qui vient de se délier et le pourpre qui est échangeable, ça veut dire que j'ai bien évidemment fait la quête. Donc voilà grosso modo pour l'Eniripsa, donc c'était très très bien. Et donc au tout début janvier de l'année dernière, j'avais commencé mon EK. Donc l'EK qui était niveau 1, tout ça. Donc il est passé 197 le 3 mars, pardon. Parce qu'en fait 197, parce qu'il fallait qu'il. Donc son stuff était 197. Donc son stuff pour up 200. Donc il était 197. Et 197 c'est le level des Daghir, si je me souviens bien. Et je voulais mettre avec ça déjà au début pour XP niveau 200. Donc 197 ça a été atteint le 3 mars. Et le 17 avril, 200. Donc 200 les cas flip comme il est maintenant depuis pas mal de temps. Donc ça c'était très très bien. C'était déjà une très très bonne chose de faite. En plus de ça. Je l'ai mis en Strigide donc en le 27-4. Donc l'EK en Strigide le 27 avril. L'Exopa a été acheté le 18 et l'Exopm le 27. Donc, vous voyez que là ça fait aussi pas mal de dépenses pour l'EK. Et bon ça fait encore une Strigide Lurson, c'est le même stuff que le Kra. Et avec les deux Exos, le Missis Freeze et le Voile d'encre. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup d'optimisation encore, mais bon j'en suis très. En tout cas j'avais été très très ravi de refaire une optimisation pour ça. Ensuite, bah, l'EK a passé les 6000 succès, donc le 22 novembre. Et ensuite, j'ai pu faire le pourpre aussi sur l'EK, donc le 29 novembre. Donc le pourpre a été également fait, vu qu'il est là, voilà. Voilà, donc ça c'était très très bien. Donc en gros, voilà à peu près pour les objectifs 2014. Donc j'avais pas du tout pensé cette année donc à faire le panda, le yop et le zobal, qui ont été donc mis pour la team. À savoir donc le panda qui est ici, le zobal et le yop, et encore moins l'énu que j'ai créé récemment. Donc tout ça, c'était des objectifs qui se sont retrouvés en cours d'année, si vous voulez. Et donc ça m'a permis vraiment de développer tout le reste, quoi. De finir les Dofus, les objectifs, tout ça. Donc tous mes objectifs donc de début d'année que j'avais définis en 2014 ont été atteints et acquis. Donc ça m'en fait ben, une superbe année. Franchement, ouais, c'est une très très bonne année, niveau chaîne également. Je me suis bien développé, j'ai pris de la confiance, tout ça. Donc voilà, franchement, ça me fait super plaisir de faire les vidéos, de faire tout ça. Et aussi de vous faire plaisir, d'apporter mon quotidien de jeu. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi ce qu'il faudrait peut-être que j'améliore encore pour l'année 2015. Hein, je suis vraiment prêt à accepter des critiques, des remarques, etc. Sauf des vas-y, fils de punique, ta merde, ça j'en veux pas. Mais vraiment, des critiques, ça je veux vraiment. Et comme ça, moi je pourrais après vraiment voir ce qui va pas, ce qui pourrait être amélioré, ce qui va bien aussi. Comme ça, après, je pourrais me baser peut-être plutôt sur de l'amélioration plutôt que essayer de modifier des bases qui vous plaisent déjà. Voilà. Et donc pour 2015, parce que maintenant on arrive quand même à la partie qui est peut-être la plus intéressante pour vous, qu'est-ce que je compte peut-être faire en 2015 sur le jeu, parce que je compte pas arrêter bien évidemment. Alors voilà, pour 2015 j'ai prévu tout ça pour l'instant. Ce sont les objectifs, on va dire. Je peux pas mettre si voilà, comme ça il n'y aura plus que les. Voilà. Hop, voilà, il n'y aura plus que les 2015 à l'écran. Pardon, il n'y aura plus que les 2015 à l'écran. Donc, premier objectif, c'est les 10 000 succès sur le CRA. Et oui, comme vous pouvez le savoir, et comme il y a aussi la série qui tourne actuellement sur la chaîne, et qui marche d'ailleurs très bien, je vous en remercie beaucoup pour me suivre sur cette série, parce qu'elle
Franchement, elle me motive vraiment cette série. C'est la série donc des 10 000 points de succès. J'en suis donc à 9854 à l'heure où je fais cette vidéo. Voilà, donc avoir les 10 000, je pense que c'est une base que j'ai envie d'avoir depuis longtemps. Ce sera pas pour 2014, ce sera pour début 2015, je l'espère. Ensuite, les 8 000 succès sur l'INRIPSA, oui, parce que j'ai envie d'avoir aussi donc le deuxième titre, enfin le deuxième ornement plutôt. Je confonds les deux, excusez-moi. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Donc les 8 000 sur l'INRIPSA, j'en suis à 7 300 déjà. Je trouve que ça monte quand même pas mal vite. Surtout qu'il me reste encore pas mal de duos à faire. Hein. Le Kimbo, le Mino, le Canigroula, le Tengu, le Kralamour, Bourker, Ouga, Colosso. Vous voyez encore? Donc là, il y a encore pas mal de points que je peux encore avoir, on va dire, si je m'y intéresse un tout petit peu. Donc franchement, les 8 000, je pense que je me fais pas trop de soucis là-dessus. Ça sera en cours d'année que je les aurai, tout simplement, je pense, au fil du temps. Ensuite, éleveur imposant sur le CRA. Donc ça, c'est finir tous les points de succès concernant l'élevage sur le CRA. Donc il me manque pas grand-chose. Donc ça, c'est aussi c'est pour ça que je vais en faire un objectif 2015. Donc là, il me manque plus que 2 DD. Et là, 5 DD. Donc j'en suis à 7 DD du titre. Parce qu'après, il me manque plus que ça. Et après, l'éleveur, c'est moi, quoi. Donc il me rend vraiment plus rien du tout. Ah, forcément, si je ferais celui-là, je serais forcément au-dessus des 10 000 points de succès. Et pour l'instant, ça ne veut pas accoucher, donc c'est un petit peu dommage. Voilà. Ensuite, donc les deux Dolmanax, sur les Ni et sur les K. Donc là, les K, j'en suis à 253. Donc il me manque encore en grosso modo 110. Et sur les Ni et Ripsa, j'en suis à 280. Donc là, il me manque encore à peu près 80. Donc voilà, ça va arriver courant février, mars, je pense. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc 2 Dolmanax, il sera surtout important sur les K, sur les Nirepsa beaucoup moins. C'est juste pour les points de succès que je le fais. Ensuite, le Locre sur les K. Et oui, parce que avec les K, j'en suis toujours en train de faire mes archimonstres, que je n'ai toujours pas avancé, bien évidemment. Donc là, j'ai toujours mes archimonstres, j'en suis à l'étape 20, donc la première des archimonstres. Et mes archimonstres sont toujours stockés sur les Nirepsa. Voilà. Ça en fait beaucoup, ça en fait un gros paquet même. Donc j'attends toujours un peu d'en avoir d'autres, et comme ça bah, je pourrais vous faire la quête ocre sur les cas, ce qui me permettra d'avoir un ocre sur ce perso-là et puis de le jouer enfin en 12, parce que là bon ça fait un peu tâche dans les Dofus quoi. Donc j'ai vraiment envie d'avoir, enfin j'ai surtout hâte d'avoir l'ocre sur les cas. Ensuite on va continuer sur les Dofus, hein, comme ça on fera le tour. Le déglace sur les nids et sur les cas, donc là beaucoup de succès sur les nids et sur les cas, j'ai envie vraiment de développer ces personnages-là maintenant. Sur tous les cas. Donc le DDG aussi sera très important. Donc j'ai commencé les quêtes Free Ghost, tout ça. Donc c'est très long à faire, hein, franchement. Mais c'est en cours. Donc quête Free Ghost, voilà, je dois faire les trucs de ski, tour de guet, pêche en eau glacée, tout ça, génétique. Enfin, et j'ai vraiment beaucoup de choses. J'ai ça aussi, les quêtes comme ça qui sont très pénibles à faire. Donc beaucoup de choses à faire. Mais je pense que voilà, j'arriverai à enfin les obtenir. Ensuite, donc on va reparler maintenant du PVM plutôt. Donc battre le compte à rebours, qui est toujours un objectif que je n'ai toujours pas atteint. Donc ça va être aussi un gros objectif. Le battre le Mercator, tout ce que je n'ai toujours pas réussi non plus, que j'ai envie de réussir. Donc ça sera pour 2015. Mettre les nu level 200, donc ça aussi, et l'optimiser. Donc il sera optimisé. Il sera optimisé. Oula, les qualités dégueulasses. Parce qu'en fait, je joue en qualité dégueulasse pour avancer plus vite dans les combats PVM. Donc les nus, qui est à 9%. Ouais, 9%. Donc j'ai donc une fois 200, il sera donc en terre-feu. Donc il sera bi-élément. Parce que là, il est que terre. C'est très bien, hein, terre. Hein, très très bien. Sauf que ça manque un peu de polyvalence, quoi. Donc je préfère le faire terre-feu. Donc 200, il sera terre-feu. Et ça sera vraiment, je pense, une très bonne idée. Donc l'optimiser, donc ça sera aussi un très gros objectif. Ensuite, 8 000 succès sur les K. Donc ça, j'ai vraiment envie de le faire aussi sur les K flip. Donc ça, je pense que ça sera pas très compliqué. J'en suis déjà à 6 400, c'est déjà pas mal. Et puis pareil, hein, il me manque encore pas mal de duotage. Voilà, j'ai même pas encore fini des trucs de Wabit. Ça aussi, j'ai pas fini. Enfin, il me reste vraiment pas mal de trucs à faire. Et puis, bah, des trucs pas très très compliqués quoi. Hein, Tanuki-san duo facile, Fractal jamais fait. Croca, ah, il manque collant, voilà. Donc des petites choses comme ça, voilà, il faut repasser un peu sur les donjons et franchement ça va passer, je pense, assez facilement. Surtout qu'il y aura encore les quêtes Frigos qui vont arriver, les quêtes Almanax, tout ça. Donc ça va faire pas mal plein de succès et puis au moins
Je pense que là, il n'y a pas trop de soucis pour aller 8000 non plus. Voilà. Ensuite, un gros objectif. Donc là, je pense que là, je me suis pris un peu large, mais peut-être pas finalement. D'avoir au moins 6000 succès sur tous les personnages. Donc, savoir, il me reste encore donc à avoir le panda, le Yop, le Xelor, les Nuls, le Zobal et l'Héliotrope. L'Héliotrope aussi que je pense faire aussi. Enfin, l'Héliotrope, je sais pas. Je pense plutôt peut-être mettre l'Héliotrope entre parenthèses. Mais au moins de sur les 5 là. À savoir le Zobal, les Nuls, le Xel, le Yop et le Panda. Donc pour faire un petit tour d'horizon. Alors le Xelor il est à 5800. Le Yop est à 2200. Bon le Yuxel c'est quasi fait. Hein, voilà. Le Yop 2200. Les Nuls est à 500. Bon là, enfin voilà, les premiers seront vraiment pas compliqués à faire. Zobal 2000 et l'autre 2200. Donc 2200, voilà. Et les K, donc les K est à 6400. Bon, ça c'est déjà fait. Mais bon, enfin voilà. Donc pas mal de choses à faire côté succès. Mais bon, vu que j'aime bien ça, puis en plus on aura le petit ornement. L'ornement des 6000, il est vraiment sympa. Il est vraiment très sympa. L'ornement des 6000, c'est celui-là, c'est celui qui a les K, tout simplement. Donc celui-là, je le trouve vraiment beau. Et si je peux l'avoir sur toute la team, ça serait vraiment sympa d'avoir au moins cet ornement-là. Donc il est vraiment sympa. Voilà. Donc je pense avoir fait vraiment le tour des objectifs. Donc pour l'instant j'ai que ces objectifs-là. Je pourrais peut-être en avoir d'autres. Ou alors, proposez-moi des objectifs à atteindre. Ça je peux aussi vous le faire. Hormis ceux-là, bon, des choses qui restent quand même assez réalisables. Hein. Pas non plus dire, ah oui, fais-moi tous les full succès sur 8 persos. Non. Mais des trucs réalisables que j'ai peut-être pas forcément pensé, que vous peut-être que vous visez vous, ou que vous avez déjà atteint, ou que vous voudriez que j'atteigne. Voilà. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Et à me le faire parvenir dans les commentaires. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve très vite et très prochainement pour de nouvelles aventures. Ainsi que de nouvelles vidéos sur la chaîne d'Aika. Et je vous souhaite en tout cas un très bon réveillon de nouvel an. Et à plus pour de nouvelles aventures. Salut!